Bonjour, je m'appelle Julie Cabane, j'ai 18 ans, j'habite à Odos, je suis en première année de STAPS à Tarbes, je suis également sapeur-pompier volontaire au centre d'Ossun. Pourquoi est-ce que tu as souhaité être candidate à ce concours de Miss Hautes-Pyrénées ? J'ai souhaité être candidate car j'aime beaucoup mon département et j'aimerais le représenter. C'est un très beau département qu'il faut représenter avec son honneur. Quel regard tu portes justement sur ces concours de 10 de beauté, Miss France, Miss Midi-Pyrénées ou la gagnante et ses dauphines iront en suivant ? Je trouve que ce concours est très bien. Je porte un regard très enchanté sur ce concours. Cet après-midi, là, vous êtes en partie réunis, puisque ça s'est fait en deux fois, ici à Bagnères-de-Bigorre. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous cet après-midi ? Qu'est-ce qu'on vous a fait faire ? Donc, nous sommes arrivés à 13h30. Une coiffeuse était présente. Ensuite, nous sommes maquillés tout ensemble. Nous avons passé un interview et nous faisons aussi un shooting photo. Puis, nous allons passer 2 heures à Aquensis. C'est une chose nouvelle pour toi ? Oui, très nouvelle. Je n'ai jamais fait ça. Et ça te plaît ? Ah oui, beaucoup. La date du 24 mai arrive, vite. Ce sera par des expositions pour cette grande finale, pour le coup, avec vous 15. Il y a de la pression un peu ? Oh oui, beaucoup de pression. T'as déjà défilé devant des gens, devant le public, devant le jury ? Jamais. Ce sera une grande première. Une grande première, c'est ça. Du coup, tu es prête à représenter la Haute-Pyrénées pendant un an ? Bien sûr, je suis tout à fait prête. Et pour représenter ce très beau département, je suis prête.